Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Black. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau mode sur FUT 17 qui sera le mode FUT Champion. Donc les gars, aujourd'hui on va présenter un peu tous les aspects de cette compétition parce que c'est assez complexe, assez dur à comprendre quand même. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible sur... sur mes propos. Donc les gars, sur l'article on nous dit tout simplement que FUT Champion est un nouveau type de compétition dans FIFA 17 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Donc chaque semaine vous qualifiez-vous pour la Ligue Weekend et jouez pour remporter des compétitions dans le jeu. Soyez performant et régulier pour progresser au sein des classements mensuels afin de remporter des récompenses incroyables et même avoir l'opportunité de jouer à l'échelle mondiale. Donc en gros ça c'est un peu... l'explication qu'il nous donne au tout début. Donc en gros, les compétitions en ligne FIFA Ultimate Team font désormais partie de FUT Champion. Remportez une compétition quotidienne à élimination directe pour obtenir des récompenses et vous qualifier pour la Ligue Weekend. Des conditions de participation dynamiques et des récompenses uniques vous garantissent des compétitions sans cesse renouvelées. Vous êtes déjà au sommet de la pyramide des saisons en ligne FUT, gagnez chaque semaine au plus haut niveau pour accéder automatiquement à la très convoitée Ligue Weekend. Donc en gros les gars, par exemple, chaque semaine, si je comprends bien, on aura une... un peu comme le bouclier des champions, vous voyez, on aura une compétition à élimination directe. Et celui en gros qui gagne la compétition, il se qualifie pour les Ligue Weekend. Et donc ce sera un peu sous forme de rang, donc... rang bronze, bronze 3, bronze 2, bronze 1. Un peu comme les ligues dans Clash of Clans, si vous connaissez. Donc il y a bronze 3, bronze 2, bronze 1, argent 3, etc., etc. Donc je pense que ça va être un peu comme ça. Et donc pareil les gars, on aura aussi, comment dire, par exemple, faudra pas gagner juste une seule. Par exemple, si on gagne une ligue week-end, ce sera pas assez, faudra être assez régulier. Donc faudra être régulier pour après être le mieux placé dans les ligues mensuelles, donc dans la ligue du mois. Et là vraiment, si on est vraiment régulier tout au long du mois et qu'on arrive vraiment à faire un bon classement mensuel, là vraiment les gars, vous aurez des récompenses de fou. Et donc en parlant de récompenses les gars, vous pouvez voir à l'écran un petit screen que j'ai mis, que j'ai réussi à choper sur internet. Donc ce sera par exemple, vous pouvez voir à l'écran, congratulations, etc. Donc en gros, ils mettent que la personne a sûrement gagné une ligue week-end ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir un peu ses récompenses, donc c'est vraiment du lourd. Un élément Royce, donc Royce en version un peu cadeau. Donc vraiment une carte assez spéciale, mais vraiment belle je trouve. On peut voir qu'il a gagné aussi 5 packs joueurs. Donc je sais pas si c'est des packs à 25 000 ou des packs à 50 000 plus 100 000 crédits, donc franchement c'est des énormes récompenses je trouve. Donc vraiment faudra vraiment, je pense que de toute façon je pense que dans ce mode vraiment tout le monde va jouer sa vie parce que il y a beaucoup de choses en jeu les gars. Donc je pense que tout le monde va jouer sa vie. Et donc les gars, voilà un point vraiment auquel je m'attarde parce que c'est vraiment un point qui m'intéresse vraiment. Donc on peut voir, je dis pas que je vais me qualifier pour ça hein, vraiment, mais je trouve que c'est vraiment bien pour tous ceux qui ont vraiment un bon niveau FIFA et puis qui ont du mal à se lancer tout ça. Donc on peut voir que pour les meilleurs des meilleurs, FUT Champion est un billet pour de véritables compétitions internationales et des récompenses. En effet, des classements mensuels régionaux sur Xbox One et PlayStation 4 permettent de déterminer les participants aux séries Championship eSport FIFA 2007, FIFA 17 Ultimate Team et la FIFA Interactive World Cup, donc la FIWC. Serez-vous assez talentueux pour grimper au classement et vous qualifier pour les plus grandes compétitions de toute l'histoire d'eSport FIFA? Donc franchement les gars, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en gros, ceux qui sont vraiment chauds, ils pourront se qualifier directement chez eux, sur leur console, à la Coupe du Monde FIFA. Donc franchement, c'est vraiment du lourd. Et en plus, pour le premier du mode FUT Champion, il pourra gagner jusqu'à 1 million de dollars les gars. Donc franchement c'est énorme. Je sais pas quoi dire, ça limite ça me choque un peu, mais c'est pas mal franchement, mais c'est vraiment incroyable. Donc les gars, là on peut voir le screen que je vous ai mis un peu
Voilà un petit détail du mode fut champion. Donc on peut voir Gold 1, Gold 2, Gold 3. Donc c'est un peu comme je vous ai dit, or 1, or 2, or 3. Ainsi que les récompenses en bas. Donc y a pas mal de crédits. Il y a aussi pas mal de packs à gagner. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo et à la commenter un max. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous pensez de ce mode fut, parce qu'il y en a, je sais, ils jouent à fut, mais pas vraiment dans l'esprit compétition. Ils jouent vraiment pour s'amuser. Après, moi, j'aime vraiment la compétition, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez compétitif, donc... Bah, compétitif, non, c'est rien dire d'assez compétitif. Bah, j'aime bien la compétition, on va dire. Donc, franchement, ce mode fut champion, je vais le faire à fond, je vais pas vous le cacher. Donc, j'ai pas la prétention hein, de dire que je vais gagner fut champion, que je vais être dans l'un des meilleurs, ou je sais pas quoi, mais... Je vais faire mon maximum pour faire une belle saison sur Fut Champion. Et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas les gars, moi je suis vraiment patient de la sortie de Fut 17 et surtout ce mode. C'est l'un des modes que j'attends le plus sur ce FIFA. Après moi je sais pas trop c'est quoi vos modes que vous attendez. N'hésitez pas à me dire les modes que vous attendez le plus dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a, ils vont plus aimer le mode histoire avec Hunter. En parlant de ça, sachez que le mode histoire avec Hunter, je vais le faire sûrement en vidéo. Donc ouais, voilà, il y aura un peu de tout pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aiment pas mal aussi l'autre mode, c'est Squad Builder Challenge ou quelque chose comme ça. Pareil, ceux qui veulent que je leur présente ce mode dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black. Bye tout le monde.